Donc voyons maintenant ce qui se passe dans la rivière liée à la présence du désherbant, donc de l'herbicide dans la rivière. Donc il s'agit tout simplement de faire progresser. Hein, chaque petit tas ramasse le suivant, jusqu'à donc arriver à la première activité, hein, qui est ici la baignade et sur lequel, donc je rappelle, dans l'exemple, donc les habitants ont décidé de consacrer du temps pour se baigner. Chaque activité est représentée par une carte qui est à la disposition des joueurs concernés. Par exemple, la carte baignade, carte d'activité baignade, est dans les mains de l'habitant. Chaque activité, en fait, est caractérisée par un seuil de pollution acceptable. Donc, un certain nombre de billes roses, hein, qui, si ce nombre est dépassé, eh bien, on va considérer que cette activité de baignade est interdite, elle est en échec. Ou si les gens se baignent, ça se traduit par des problèmes, des conséquences sanitaires. Donc, disons là, dans le jeu qui vous est proposé, tout simplement, il y a une interdiction de la baignade si le nombre de billes roses dépasse un certain seuil. Donc, il suffit juste de compter à ce stade-là les billes roses et de voir si oui ou non il y a dépassement du seuil. Une fois qu'on a établi, donc l'habitant peut noter sur sa petite carte est-ce que oui ou non il a pu se baigner. Puis, le tas de billes roses progresse jusqu'à la deuxième activité qui est la pêche de loisir. Même démarche, on compte le nombre de billes roses et on vérifie si oui ou non la pêche de loisir a pu être effectuée ou si elle a été interdite. Et enfin, la dernière activité, c'est une activité économique, pisciculture, qui en fait est gérée directement par l'aménageur. Hein? Donc cette activité piscicole peut procurer des recettes qui viennent alimenter le budget de l'aménageur. Donc c'est une manière d'introduire en fait une activité économique qui vient conforter en quelque sorte les finances publiques ou le développement du territoire en dehors donc des activités agricoles présentes sur le reste du plateau. Et ensuite, une fois que vous avez indiqué si la pisciculture a pu se dérouler dans de bonnes conditions ou non, eh bien, les billes roses peuvent être évacuées du plateau surface.